Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, les amis. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous dans l'amour, dans la santé et dans le bien-être. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit bouillon de poisson salé. Poisson salé, ciboulette. Ici, j'ai tout ce qu'il faut là, tout ce dont j'ai besoin. L'oignon, l'aubergine, le piment, tomate en fruits, poivron vert, le sel, les feuilles de laurier et un peu d'huile de coco. Bon, pour ma part, c'est ce que j'ai dans ma cuisine et je fais avec. On va aller commencer notre bouillon de poisson salé. Là, je prépare avec de l'huile de coco. L'huile de coco. Voilà. Je vais laisser réchauffer un tout petit peu. Voilà, c'est bon. L'aubergine. Je vais changer de marmite, les amis. Après l'aubergine, on va aller avec le poisson. Notre bouillon de poisson salé. Ensuite, on va aller mettre tout ça, ouais. Tomates fraîches, feuilles de laurier, poivron vert avec la ciboulette, les oignons verts. Voilà. On va mettre tout ça déjà et voilà. On va laisser un petit peu le poisson salé rejeter son jus avant de revenir les amis à tantôt. Voilà, ça sent bon. Voilà. Là, les amis, on va aller mettre. Voilà. On va laisser ça comme ça cuire. Mais avant, on va mettre notre l'ail, le sel et le poivre. On va mettre comme ça et je vais terminer avec un peu de gombo là, et le piment. Voilà, donc ça va aller. Donc, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Voilà les amis, on va l'ajouter un peu. Autant que les légumes cuisent aussi. Voilà, on va laisser comme ça. À tantôt les amis. Voilà, voilà les amis, c'est prêt, notre bouillon de poisson salé à l'huile de coco. Voilà, là il reste plus qu'à les servir. Voilà. Et voilà les amis, notre bouillon de poisson salé. Voilà, c'est juste là les amis. Notre bouillon poisson salé à l'huile de coco, du bon piment, du gombo, de la tomate fraîche, des crevettes accompagnées de la banane. Voilà les amis, ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve toujours sur ma chaîne pour une prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est déjà fait, de liker, de partager, d'activer la cloche et surtout de laisser vos commentaires qui font toujours plaisir, les amis. Bye bye!